Salut! Comment ça? Ça va, ça va. Je suis en train de faire un petit bloc-notes avec toutes les questions à la fin si t'arrives pas à répondre. Moi j'espère bien, j'ai confiance en toi. Bon, en vrai, on t'entend bien là. Ah ok, non non franchement nickel, t'inquiète. L'heure fatidique se rapproche. Ouais. Il y aura du monde ou pas? Ah. Ça serait con que je sois seul quand même. Ok. Chef Modo jus de raisin, il va venir ou pas? Jus. Ah non, jus. Attends, c'est quoi jus de raisin? Merde. Mais où? Mais ça s'en rapproche. Merde, je suis désolé. Ouais, t'as envie de dire ça. C'est quoi étant là? Ok, c'est pas mal ça. Okay, tout est presque prêt là. Bon, enfin, moi, tout est prêt de mon côté. Désolé. Attends, je t'entends pas du tout. Tu m'entends pas? Si, c'est bon, c'est bon. Ok. Parce que si je regarde vite fait le canal, hop. On en a 9 qui ont réagi, donc franchement. Là, il y a Eramari qui est là, tu vois, mais elle parlera pas. Elle est Ouais. muette. Elle est muette. Non, je déconne. Non, c'est juste que, bah, en fait, elle est juste en haut, quoi, donc. Elle m'entend. Ok, ouais, bah, d'accord. Si je dis une Si elle, connerie, elle l'entend. hop, si je dis une connerie, paf, elle descend, petite baffe dans la tête, et elle repart. Et après, tu travailles pas. Là, après, là? Non, je travaille pas. Je suis en vacances. Non, tu te réveilles pas. Ah, je me réveille pas, ah oui. Elle va te tarter tellement fort. C'est Enfin, un je dis peu ça. ça. Ah, t'es pas à l'heure, hein? 18h01. Ouais, non, t'inquiète. On attend toujours les retards d'Ather.
Bon, de toute façon, je pense qu'on va commencer. Dans le pire des cas, il y a la rediffusion. Hein, qu'est-ce qu'il raconte, Italie? Ok. Non, mais je pense que Jason, elle a oublié, comme à son habitude. Oh, quand même. Dis pas ça, non? Il m'a dit vraiment, préviens-moi la veille parce que je risque d'oublier, donc... Yes. Moi, je retranscris ce qu'on me dit. Hein. En plus, en live, là, attention. Vas-y, on va faire chier un peu tout le Discord. Oh là, je te jure. Tac tac. Oh, doucement. Bon, de toute façon, il y a plusieurs points à aborder. Hein. Déjà, il y a un petit changement par rapport à l'annonce, tu vois. Et ça... Un petit changement par rapport à l'annonce. Ouais, j'avais fait une annonce. Je crois que j'ai même pas vu le changement. Normal, il y en a, je l'ai pas dit. J'attendais la conférence et je me suis dit c'est bon, je vais pas refaire un autre Everion, tu vois, parce que les gens ils vont péter les plombs. Déjà que moi j'aime pas quand il y a beaucoup trop de Discord qui ping, alors si je le fais. Bah en vrai si tu me ping pour faire des giveaways, moi je dis pas non. Ah bon. Et moi je suis un gros rat, c'est faut le savoir. Ça je me doute. Je pense qu'on est tous un peu rats dans le fond. Bah franchement, quand tu regardes, il y en a vraiment pas. J'ai un pote, lui, c'était la main... il avait pas la main sur le portefeuille. Moi oui, mais c'est lui non. Merde, en plus je suis en live. Salut les gens. Ah bah oui. Ouais, on t'entend. Ouais, merde. Alors attention, pas de conneries là. T'es en train de regarder le live. Ah oui, merde, on m'entend. Bah oui. Bon bah les gens maintenant ils savent que je suis un rat, voilà. Voilà. Fier de toi j'espère. Actuellement tu as 151 personnes qui le verront. Bof, honnêtement. C'est que 151. Ouais ça va, tout le monde s'en fout un peu. J'avais tout le collège et tout le lycée. Tu sais qu'ils le savaient, j'ai envie de te dire maintenant. Bon. Hop. Je me suis dit on va attendre 5-10 max. Mais bon après... C'est pas grave, hein. J'ai l'habitude après, qu'on m'abandonne. Je peux prendre un petit café et tout. Hein, ah, c'est déjà fait. Ah merde, putain. Même pas, tu m'attends. C'est quoi ça? Tu peux venir. Non, quoi? on va dire oui, viens. Tu peux. De toute façon, quand la conférence va commencer, je vais couper les micros. Comme ça, au moins, je serai pas interrompu. Je ferai une ligne droite. Et tu, sur Discord, ils ont rajouté un truc de vraie conférence, là, tu sais, où tu peux lever la main et tout ça. Ouais, je sais, ouais. C'est, ça a été... Bon, je crois que ça a été créé pour les cours à la base, non? La mage. Ouais, c'était ça, ouais. Bah ouais, ça m'étonne pas, hein, avec le distanciel et tout. Mais en vrai, tu peux l'utiliser là pour éviter de faire chier avec les règles et tout. Non, tranquille. Au pire, si quelqu'un parle, hop, tu mets une tarte. Ah. Après, ceux qui aiment bien les tartes. Ouais, bon, bah, voilà, après, il y a des gens bizarres, c'est pas de ma faute. Hein. Je suis pas bizarre, je suis. Aïe, aïe, aïe. Non, en vrai, à la fin, il y aura 2-3 points que j'aimerais aborder, en vrai. Ouais, bah vas-y, t'inquiète, y a pas de soucis, de toute façon, c'est prévu. Les gens poseront leurs questions, que ce soit sur le live, que ce soit sur le Discord, en vocal ou en écrit dans le général, tu vois. C'est pas grave. L'hip-hop compris par rapport à quoi, moi? Quoi? L'hip-hop compris par rapport à quoi? T'as pas compris par rapport à quoi?
Mais de quoi? Il va y avoir un reset. Ouais, il y a une... Ah. Eh, faut lire les annonces, petit bonhomme. Mais j'ai pas ma faute. C'est la note, peut-être. Il y a vraiment un canal appelé Annonces. Genre, tu sais, c'est pas pour poster des pubs de téléachat. Hein. Oh. Ah. Ah, punaise, j'avais pas vu. Ouais, bon, ouais. Bon, allez, c'est pas grave, on va rien dire. Non, voilà. C'est pas grave, ça arrive. Juste les gens qui sont en train de voir le live, ils vont te juger. Ah oui, j'ai même répondu à des... j'ai même mis des réactions dans des anciens messages en 2021. Hein? En 2021, j'ai mis des réactions des anciens messages. Ah ouais? C'est pas utile? Non, mais genre, avant que je quitte le serveur, puis je revienne, puis je quitte, puis je revienne, puis je quitte. Mais oui, mais toi, tu fais que ça, toi. C'est pas bien de faire ça. Hein. Non, c'est pas bien, non. J'ai voté le 2 octobre 2021. Bon, de toute façon, là déjà, il y a une petite différence par rapport à l'annonce. C'est que ça va pas être dû pour 1.18, déjà. Oh, donc t'as menti. C'est triste, mais c'est ainsi que va la vie. Est-ce que ça se rend pas en 1.19. Non, on sera pas à 1.19. 1.17, 1.16. Ah, vous allez voir. Si c'est 1.12, je quitte. Hein, 1.8. 1.7. Oh. Ah, mais 1.8 en skyblock. 1.7 1.2. 1.0. C'est comme on du IPX. On a le fin. Bon, on va commencer. Je serais cool qu'on soit en alpha. Ok, allez. On va vous faire taire. Merci, messieurs. Alors, donc, comme je disais, par rapport à l'annonce, 1.18. Là, ça va être du 1.12. Et ouais, je sais, c'est compliqué à digérer. J'ai plusieurs raisons pour ça, en fait. C'est que, en fait, là, 1.18, c'est pas encore stable. Tout ce qui est 1.18 et au-dessus, c'est pas stable. Genre, j'ai essayé, et carrément, le serveur s'allumait pas. C'est bien marqué que c'est encore en test, parce que moi, j'utilise pas que des mods, j'utilise aussi des plugins. Et il y a, en fait, Forge plus les plugins. En 1.18, c'est pas encore stable. Ça viendra, mais pas pour le moment. Parce que je suis sur le Discord qui explique un peu ça. Et c'est vrai que bon, bah, pour le moment, c'est en mode test. Peut-être qu'à terme, on viendra au 1.18, mais pas maintenant. En fait, pour le moment, ça reste en 1.12. Et pourquoi 1.12? C'est parce que... comment dire? Il y a plein de modes en 1.12 qui n'existent plus en 1.16. Notamment, je pense à Ender.io et d'autres modes qui étaient vachement bien à l'époque, notamment Draconic Evolution. Ils ont fait une mage en 1.16 qui a été. Je suis désolé, mais elle est dégueulasse la mage. Alors, ils ont tout cassé, les stuffs, tout ça. Enfin, il n'y a plus rien qui est bien en fait. Tinker qui a beaucoup changé aussi. Et je pense que revenir en 1.12, c'est un peu comme revenir aux sources, tu vois. C'est mieux. Concrètement, c'est mieux parce que c'est plus stable déjà aussi au niveau des mods. Et il y a une très grosse communauté en 1.12 encore. Il n'y a personne qui... Enfin, personne. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent en 1.16 et au-dessus. On verra quand ils se décideront à faire des mages corrects. Voilà, ça c'était le point le plus important que je voulais aborder. C'était vraiment, dans l'annonce, c'était 1.18, ce sera 1.12. Même au niveau des plugins, c'est plus stable. Maintenant, on va parler de la fermeture du serveur là. Normalement, elle était hier. Sauf que, j'ai pas eu le temps. Parce que je dois faire des sauvegardes des deux serveurs qu'il y a. Ça va prendre à peu près 6 heures en tout. Je le ferai là sans doute ce soir, là, après la petite conférence. Je fermerai tous les serveurs. Sachant que j'en ai déjà recommandé un, où j'ai commencé déjà à développer la nouvelle version, bien sûr. J'étais pas là à attendre la fermeture. Et ce qui amène au fait que il y aura 3 serveurs. Il n'y en aura plus 2, il y en aura 3. Il y aura le Survie, le Skyblock
Et on va rouvrir le faction. Parce que dans l'histoire de CubeFox, à la base, c'est survie RP faction. Là, on a ajouté le Sky parce que on sait bien que le Sky, c'est un mode de jeu qui plaît. C'est une petite communauté, mais ça plaît. Donc on l'a fait quand même. Normalement, vu qu'on repasse en 1.12, c'est là où je voulais fermer les serveurs. Ça, c'est important pour moi, c'est parce que je vais retester si le Bunky fonctionne. Le Bunky, c'est en fait connecter tous les serveurs ensemble et ne plus avoir à se déconnecter du survie pour aller en faction, pour aller en Sky. Là, on passerait d'un serveur à l'autre en restant connecté. Ce qui est concrètement plus simple, plus agréable pour l'expérience de jeu. Si t'en as marre du Sky, tu vas en survie en un clic. Donc voilà, le Sky et le FAQ auront le même mode pack que le survie. À quelques trucs près, je vais devoir bloquer certains items en faction qui en survie sont utiles, mais en faction seraient beaucoup trop cheatés. Et idem pour le Sky. On va bloquer certains items. Là, moi, je suis encore à faire le mode pack, il est terminé là. Mais je sais pas, je le trouve trop lourd du fait qu'il y a à peu près 260 mods. Parce que j'essaye d'organiser, enfin d'orienter le serveur plus en survie en mode aventure. Ce qu'on a bien vu à la dernière version, c'était vachement les machines. Et la communauté discutait pas ensemble. C'était je me connecte, je reste AFK près de ma machine, point barre. Là, je veux vraiment rapporter ce côté serveur communautaire où tout le monde s'entraide. Des donjons où tu as besoin d'être 2-3 parce que solo, tu galères, tu vois. Je voulais vraiment faire, rapprocher tout le monde, qu'il y ait plus d'entraide, ça paraît logique. Le Sky, ça c'est pareil, bon ça va pas trop changer, on va dire. C'est un Skyblock, c'est pas comme un survie ou un faction où tu peux un peu plus varier. Le Sky, je sais pas encore, il y aura le top des IS, ça c'est sûr. Le shop, il sera là, mais à savoir, vu que je suis en plugin et mod, les shops c'est chiant à faire parce que les plugins ne fonctionnent pas. Parce que les idées de blocs ne sont pas reconnues correctement et du coup ça fait bugger un peu les plugins, donc devoir coder, refaire moi-même un shop, tout ça. Il y aura une bêta pour le serveur parce que j'estime que avoir une bêta, je l'ai vu sur la version précédente, c'était mieux. Parce qu'il y a certains joueurs, moi j'ai pas la science infuse, il y a certains joueurs qui vont me dire là, ce mode là, le mets pas, il est ultra buggé, il y a des glitches de partout, c'est un gruyère le truc. Et moi je le sais pas forcément, je vais pas me renseigner sur 260 mods, parce que ça commence à faire beaucoup. Je vais essayer de voir la bêta, elle va peut-être durer un mois ou deux, on va dire. Durant cette bêta, la boutique sera fermée, je pense. Parce que une fois que la bêta est terminée, on reset. Là, la bêta, c'est vraiment le côté test. Vraiment, là, c'est... Vraiment, ouais, c'est ça, c'est la... Vraiment, test. On teste tout. On voit s'il y a des bugs, s'il y a des failles. Et des trucs possibles, genre de la duplication, de, je sais pas moi, un plastron de Draco qui se duplique parce que tu fais un slash spawn. Enfin voilà, c'est des petits trucs tout bêtes. Aussi au niveau des quêtes, je vais essayer de voir, mais je vais faire des quêtes différentes. Il y aura des quêtes en Sky, en survie, mais pas en fac. Je veux pas en mettre en fac, ça sert à rien. Tu joues pas aux factions pour faire des quêtes, tu vas en survie quand c'est comme ça. Mais en fac, je sais pas encore comment je vais organiser ça. J'ai encore le plugin de faction de l'époque où CubeFox était en vanilla. Je vais voir s'il fonctionne bien en modé. Peut-être apporter des changements dedans. Je sais pas, je vais voir. Le fac, c'est vraiment... Si je l'avais pas ouvert en 1.16, c'est parce que c'est compliqué à faire. Il y a beaucoup d'items à vérifier.
Et c'est pareil, il y aura une bêta dessus pour voir quel item est trop cheaté. Admettons, s'il y a un claim de base et que t'as un item qui passe au-dessus des claims, ça me ferait chier, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, il y a 3 spawns à faire actuellement. Donc là, c'est là où j'interagis un peu avec vous. On va chercher des builders. Alors, je demande pas un type qui nous construit une cathédrale en une seconde. Enfin, voilà quoi, enfin, vous avez compris, j'ai vraiment des gens qui ont de l'imagination. Quand je dis imagination, c'est si on dit, ouais voilà, le spawn, faut qu'il soit comme ça, comme ça. Ok, ils veulent le faire comme on a dit, mais un peu, entre guillemets, avec sa signature de build. Genre vraiment donner un truc un peu unique, pas en faction, un vieux château, genre parce que le faction c'est la guerre, c'est le château. Non, ça c'est du revu. Mais faire un truc un peu mieux, genre vraiment qui change. Il y aura toujours le système des box, parce que je trouve que c'est bien, mais je pense que le système de box va être refait totalement. Les loot dedans, c'était bon. Ils étaient bien, mais pas bien. Il n'y avait pas, en fait, c'est moi qui l'avais développé, et il n'y avait pas de système de chance. C'était, admettons, dans la plus basse, tu avais autant de chance d'avoir de la terre que du diamant. Voilà, quoi, enfin, tu claques, admettons, 10 clés, t'avais peut-être 10 terres, comme le gars d'à côté, il claque 10 clés, il a 10 diamants. Essayer de faire vraiment, j'ai essayé de voir, mais je pense que je peux réussir à refaire le système, mais avec des pourcents de chance. C'est juste que c'est plus long à faire. Il y aura, donc ouais, comme je disais, les builders. Là, ça, après, je vais refaire un débrief de ça. Et j'ai bien précisé dans l'annonce qu'on cherche des builders. Je pense que parmi les joueurs qu'on a, il doit y avoir des builders. Mais des builders qui ont la flemme. Ils savent construire, mais ils ont la flemme de postuler parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, avoir des responsabilités, ça je peux le comprendre. Mais ouais, je veux vraiment redonner un peu un petit coup de nouveau au serveur, quoi. Quand je dis un coup de nouveau, passer en 1.12, c'est un peu revenir au vieux, mais enfin comment dire, au contenu, ce sera du nouveau, pas du vieux. Et c'est pour ça que voilà, je voulais faire une petite conférence pour aborder plusieurs points comme ça qui sont importants à mes yeux, notamment pour la bêta et son reset, pour la fermeture du serveur, pour vous donner plus de détails sur le faction, le survie, le skyblock, tout ça. Voilà. Et pareil, la boutique, je vais voir, mais il y aura je pense, comment dire, pour la boutique, des nouveaux trucs qui vont arriver. Je vais pas en dire un truc de plus parce que dans le survie, il va y avoir une nouveauté. Je bosse dessus depuis un moment, mais cette nouveauté, j'ai jamais vu ça nulle part. Donc, je pense que ça peut plaire. Pour ceux qui aiment le survie et l'aventure, je pense que ça va leur plaire. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. Le Discord, lui, ne changera pas. Il y aura toujours le canal Minecraft Discord. Peut-être les séparer. Peut-être pas, parce que vu que les serveurs vont être reliés entre eux, on va dire que ce sera un chat commun. En gros, si tu es en faction, tu peux parler avec quelqu'un qui est en survie. Parce que je trouve ça plus simple. Enfin, et plus sympa, surtout. Puis même plus pratique pour la modération. On n'a pas 50 modos, on va avoir 3 serveurs. Je pense que c'est nécessaire pour eux, pour leur alléger le travail, de pouvoir, admettons, passer du Sky au survie sans avoir à se déconnecter, reconnecter, parce qu'il y a un type qui est en train de foutre le feu au spawn. Je ne sais pas. Voilà. Je pense que je vais pouvoir vous laisser la parole. Si j'ai d'autres points qui me reviennent en tête, je vous le dirai. Donc, The Boot, je sais que tu as des questions. Je sais que tu en as, ouais. Ouais, ouais. Et je t'écoute. Je te remercie. Je vais commencer par ma première question que j'avais notée.
Est-ce que tu comptes faire plus de pubs pour le serveur, que ce soit Survie, Skyblock, tout ça? Alors, oui, c'est prévu. Sauf qu'en fait, à l'heure actuelle, les sites de vote, c'est l'endroit le mieux pour les pubs. Sauf que, en fait, les sites de vote, comment dire, les pubs sont monopolisées par des gros serveurs qui prennent à l'année, en fait, la pub. Et donc, du coup, le problème, c'est que si tu veux faire ta pub, tu dois attendre un an pour qu'elle soit postée, en fait, sur le truc. Je vais relancer au niveau des forums. Donc, tous les forums, que ce soit Minecraft.fr, tout ça, ça va être relancé. Voilà. Mais j'ai essayé de faire le max de pubs pour attirer le max de joueurs. Ok. Alors du coup, pour rester un petit peu dans le thème des pubs, tout ça, t'as parlé aussi de revoir les box, mais pour le faction. Enfin, c'est ça le faction. Mais pour le survie, est-ce que tu comptes aussi le revoir? Le système des box va être vu partout, en fait, que ce soit Survie, Sky et Faction. Dans les trois, ça va être vu parce que je le trouve un peu, je dirais pas merdique, mais il est pas ouf. On s'y approche quand même, je n'ai pas envie de te mentir. J'imagine. Non, voilà, en tant que joueur en PvP Faction ou Survie, je suis pas vraiment, tu vois. Je suis plus sur le Skyblock, et le Skyblock, quand tu votes, c'est plus pour te faire plaisir à toi que pour nous. Nous, on n'avait pas vraiment de loot à y gagner. Donc, tous les loots qu'il y avait dans les box, on les gagnait assez facilement, je trouve. C'était mon impression. Dans les box ou dans les votes? Dans les box de vote, en fait. C'est où tu peux gagner les clés, tout ça. D'accord, ouais. Parce que je sais que toutes les clés étaient obtenables. C'était le Skyblock, c'était le seul endroit où tu pouvais acheter les clés in-game. Dans le shop, tu avais toutes les clés de disponibles. Bon, les prix étaient... exorbitant, mais c'était pour éviter que voilà. Honnêtement, pour ce que c'était, je trouve que pour les blocs de terre, les ou qu'on s'en sert pas vraiment beaucoup. C'est ça en fait. Le loot, en fait, si tu veux, quand j'ai créé les box, les loot, je devais les mettre un à un dans le code. Donc, t'imagines bien que devoir mettre des centaines et des centaines d'items, ça commençait à devenir lourd. Troisième question. S'il y en a qui veulent parler, dites-le moi, je vais pas m'arrêter. Bon, on va faire par ordre. Comme ça, on va faire toi, après on va faire Nounours, et etc. J'ai une liste. Est-ce que quelqu'un veut parler ou pas? Oui, moi. Oui, je t'écoute. Pourquoi je me sentais visé à chaque fois que tu parlais de cheater ou d'une mauvaise personne? Je te visais pas en plus, hein. C'est ça le pire. C'est que. D'accord, c'était pas le but. Non, au contraire. Quelqu'un qui met le feu au spawn, je me sens. Ah ouais, vraiment, j'ai pris un exemple le plus hasardeux au monde. J'ai dit un feu au spawn. C'est vraiment le pire des hasards. Ouais, c'est ça que je fais pour tout. Non, c'était pas visé. J'aime pas le feu, c'est le spawn. Peut-être que je vais dire pas mal. Baikyo, est-ce que tu avais des questions? Je sais que t'as pas dû entendre beaucoup de la conférence, mais t'inquiète pas, il y aura une rediff. Tu peux l'écrire comme tu peux parler. Tu poses ta question en général ou tu peux activer ton micro. Je prends ça pour un non. Donc The Boost, tu continues. Excuse-moi, t'inquiète, ah oui. Je n'ai pas de questions ni rien, donc vous pouvez continuer. J'étais juste là après d'écouter, vous inquiétez pas. D'accord, y'a pas de soucis. Toujours dans le Skyblock, parce que moi c'est mon truc principal. Ouais. Est-ce que en 1.12, quand tu mets des limites de blocs, donc par exemple pour tout ce qui est machine de redstone, hopper, tout ça. Des limites de blocs, c'est-à-dire? Dans certains Skyblock, par exemple, t'es limité à 50 blocs, 50 pardon. Ah oui, ok. Moi, je suis pas fan de cette limite. Il me semble que je l'avais pas mise en 1.16, ou alors si elle y était, c'est celle par défaut. En fait, c'est un plugin qui active ça par défaut, et c'est un plugin qui est essentiel à tous les serveurs. Ouais. Mais honnêtement, si tu l'as mis, je l'ai pas vu, parce que bon, en même temps, j'ai pas mis beaucoup de hopper ou quoi que ce soit, j'essaie de...
de rester honnête vis-à-vis du serveur, de pas trop le faire laguer quand même. C'est pas le but, c'est pas, bah, ouais, pas ouais. Le but en tout cas. Mais non, j'ai pas souvenir d'avoir mis de limite parce que même moi en tant que joueur à l'époque, ça me cassait les pieds les limites. Ouais, faut rester poli. Ouais, je reste poli. Et je trouve que bon, même si je mets une limite de hopper, on est en modé, il y a beaucoup de câbles qui transportent les items. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais, bien. C'est ça en fait le truc, c'est que peut-être que si je vois que ça fait trop laguer, peut-être interdire les hoppers, les interdire, ça devient un peu. Tout de suite un peu trop brutal dans le mot, mais je me dis qu'il y a toujours des moyens en fait. On est en modé, il y a des câbles, là il y aura Buildcraft. Je vous ferai une petite liste un peu, je vous dirai quelques modes si vous voulez pour vous teaser un peu. Mais ouais, il y aura Buildcraft notamment. Buildcraft qui est très bon mode avec beaucoup de tuyaux qui font beaucoup de choses. Il y aura Ender IO. Petit tease. Je connais pas. Alors, Ender IO, je connais très peu de mode. C'est le meilleur mode parce que, admettons, je dirais une bêtise, sur un bloc, tu peux mettre le câble d'énergie, le câble de fluide et le câble de transport d'items. D'accord. En fait, ça se compacte ensemble. C'est un peu comme les œufs là dans les nouvelles versions, quand on a un, deux ou trois. Tu vois, c'est. Ouais. Et ben, en fait, c'est ça. C'est un peu le même système, tu vois. Mais oui, c'était méga en avance sur ça, hein, en 1.12. Et Ender IO n'existe plus après la 1.12. Ok. Alors, j'ai une petite question un petit peu plus technique cette fois-ci. Je t'écoute. Je pense que pour faire le bungee et les mods et les plugins, t'as dû utiliser Sponge. Non, c'est non, pas stable Sponge. Moist, ouais. Non, pas du tout. Bah ok, si tu utilisais Sponge, j'allais justement te conseiller Moist parce que c'est pas stable du tout. Et c'est là où je voulais en venir, tu vois, quand tu vas sur le site de Moist, c'est bien mis que c'est en test encore la 1.18. Et en fait, j'ai essayé de faire un modpack en 1.18, je l'ai essayé, hein. Dès que j'essayais de rejoindre le serveur, soit il crachait, soit ça me kickait parce qu'en fait, il n'arrivait pas à me placer sur la map en tant qu'entité. Et j'ai essayé avec aucun mode, ça marchait, parce qu'il n'y avait aucun mode. Dès que j'en mettais un ou deux, c'était foutu. Que ce soit juste des modes de base, hein. Create, hop, ou autre, c'était mort. Donc c'est pas très stable encore. J'ai noté aussi le via version. Est-ce que tu comptes le mettre un jour ou pas? Parce que vu que ça, c'est aussi un plugin. Oui, alors. On peut le mettre sur un bungee. Est-ce que ouais. Tu comptes le mettre? Non. Parce qu'en fait, on passera par, comme d'habitude, par CurseForge, qui te donne en fait le modpack. Tu peux pas avoir un modpack en 1.12 et en 1.16. C'est ça le problème de Via Version, c'est que c'est un plugin et non un mod. Et il n'existe pas l'équivalent en mod, ce qui me fait grave chier en fait. Parce que j'aurais aimé, tu vois, pouvoir faire un serveur qui fasse de la 1.12 à la 1.18, juste avec un modpack. Mais ouais, j'ai cherché un via version modé, ça n'existe pas et ça me rend fou des fois. Parce qu'en fait, tu vois, des fois, t'as des mods, si tu lances avec une version 1.12 mais de Forge légèrement trop vieille, les mods, ils se lancent pas parce qu'ils veulent la nouvelle version de Forge. Oui. En fait, les modés, c'est compliqué parce que c'est hyper minutieux, il faut vraiment que tout soit dans la bonne version, pas trop récent, pas trop vieux, pour rester dans la bonne... dans la bonne version pour que le modpack se lance correctement. Ok. Alors, après j'ai noté que oui, t'as dit que tu vas y avoir une bêta. Ouais. Cette bêta, t'as dit qu'il y a qu'un mois, tu vas la tester pendant un mois. Mais est-ce que pendant un mois on aura vraiment tout vu? Alors j'ai dit un mois ou deux. En fait c'est ça, c'est en fonction de l'avancée. Ça me paraît court. Honnêtement, ça me paraît court. Alors, je sais plus combien de temps la dernière bêta a duré de la 1.16, là, de cette version actuelle. Mais je crois qu'elle avait duré peut-être 4-5 mois. Hein. Il me semble, hein. Je suis pas sûr. Il fallait que je regarde dans les annonces. Mais ouais, ça avait duré un petit moment aussi. Et puis après, on n'est jamais à l'abri d'un ou deux petits bugs qui reviennent. Bêta, je trouve déjà pas ça. Okay.
Ouais, mais honnêtement, quand tu avances, au plus tu avances, par exemple, dans mon cas, dans le Skyblock, au plus tu découvres des mécaniques, des, Ah, c'est ça. des nouveaux, tu débloques de nouveaux items. Et quand tu débloques ces nouveaux items, il peut y avoir des bugs sur ceux-là. Et si tu fais pas une bêta assez longtemps, tu peux passer à côté de ces blocs-là, justement, qui peuvent te faire des bugs. C'est pour ça que j'en parle. Bah, c'est ça, en fait, le truc, c'est que... voilà quoi, voilà. Sur du modé, des bugs, il y en aura toujours. Ça, malheureusement, c'est infaillible, on va dire. Tu prends les plus gros serveurs, hein, je dis des trucs comme ça, mais tu prends des gros serveurs en modé. Le premier qui me vient à l'idée, c'est Palladium. Il y en a des bugs. Et pourtant, il y a des grosses équipes derrière. Hein. C'est ça, il y a des grosses équipes. Moi, je suis tout seul, hein. Je suis solo. Bah, super, tu me fais une super transition à ce que j'ai marqué. C'est ça. Est-ce que tu as besoin d'aide pour tout ce qui est wiki, faire les wikis sur le site, tout ça? Alors, le wiki sur le site, c'est vrai que depuis le temps qu'il doit être fait, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un wiki qui doit être fait, sauf que, bah, tu vois, là, on change de version, on change de mode, il n'y aura plus les mêmes modes, donc un wiki à refaire. C'est pour ça que l'idée du wiki, je sais pas encore si je vais la maintenir. Pour les nouveaux joueurs, enfin, je t'avoue, je vais pas te mentir, hein, j'ai découvert les modes, c'est l'univers des modes avec ton serveur, c'est pour ça que d'accord. Je l'aime bien. Honnêtement, je vais pas te mentir, je l'aime bien. J'en ai testé d'autres parce que quand j'ai vu que t'allais reset, je me dis putain, ça m'a fait mal au cœur, on va dire. Ah, c'est normal. J'en ai testé d'autres, j'ai pas réussi à retrouver ce truc là. C'est vrai. Je t'avoue, Ça me fait un peu mal au cœur, pour rester poli, que tu resets. Ah non, je comprends. Voilà, non mais c'est pour ça. Après, si c'est ton choix de mettre en 1.12, je vais quand même tester en 1.12, même si moi, mon PC, il tolère pas trop la 1.12. Je trouve que c'est vachement plus stable en 1.16, étonnamment. Ça dépend pourquoi. En fait, côté serveur, la 1.12, elle est vachement plus stable. Et le côté... client, on va dire, côté avec nos PC à nous, c'est vrai que la 1.16 est plus stable. Ouais. C'est pour ça qu'en fait c'est tranché en deux, les deux versions. Ouais. Mais après, nous, moi je te le dis, ça me dérange pas que s'il y a un craft à faire et tout, peut-être te le donner, te donner la manipulation à faire, peut-être un salon Discord dédié que les joueurs peuvent faire et toi tu prends le meilleur pour faire des screens sur le site. Je sais pas peut-être comment tu pourrais t'organiser là-dessus, mais je sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, le problème des wikis, comme tout bon joueur, avant de chercher, tu poses la question en jeu. ça doit être tous les joueurs Minecraft. Ils y arrivent pas sur un truc, ils vont demander avant de regarder. Et c'est là où je me dis. Ça fait chier de faire un wiki si au final on répond à toutes les questions avant qu'ils aillent regarder. Et de leur dire, ah, il y a un wiki, va regarder, ça va juste faire chier le joueur, il va pas regarder quoi. Et il va rester bloqué, on va dire. Par exemple, tu vois un joueur qui demande tout le temps parce qu'il est curieux, ça serait pas mal pour lui de voir comment fonctionnent certains plugins ou autres, tu vois. Enfin, même. Certains modes, par exemple les crafts, s'il y avait personnellement, si j'avais pas petit Rasta pour me les montrer, j'aurais été perdu. J'aurais pas continué à suivre le serveur, tu vois. Je vois. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un par exemple qui vient et qu'on connaît pas très bien le serveur, qu'on connaît pas vraiment toutes les manipulations à faire, je trouve que le wiki c'est une idée pas mal. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand je trouve pas un truc sur un mod, déjà, comment dire, je regarde déjà dans le GUI. Un craft, tous les crafts sont reliés, enfin, tous les crafts sont dans le GUI. Et ça, c'est pas, je peux l'avouer, il est pas hyper intuitif. Mettons, pour crafter quelque chose, faut des trucs, mais dans ces trucs, faut crafter des trucs qui se recraftent eux-mêmes avec d'autres choses. Des fois, c'est un peu farfelu. Et moi, quand c'est comme ça, en fait, je vais carrément sur le wiki du mod. Si tu utilises Chrome, c'est un clic droit traduire en français. S'il y en a, ils comprennent pas l'anglais. Mais c'est vrai que moi, je me sers beaucoup des wikis déjà présents, des mods. Et je pensais peut-être pour le wiki.
faire une redirection sur les wikis des mods à chaque fois. Mais d'un autre côté, je sais pas. C'est compliqué parce que ce serait juste en fait dire aux joueurs, bah regarde, il y a des sites qui existent pour ça, quoi. Ouais, mais au moins le joueur il aurait déjà moins chercher l'information. Il aurait un sommaire, quoi. C'est ça. Après, pour rester dans la thématique du wiki, hein, c'est le wiki, sinon ce que moi j'aime bien, par exemple. En Skyblock, pour faire du gravier, tu es obligé de casser la pierre avec un certain item, ouais. Ou alors utiliser un genre de grinder. Oui. Et ça, avec le GUI, tu l'as pas. Si, tu l'as, mais c'est très mal expliqué. En fait, tu dois pas chercher avec la sieve, tu dois chercher avec le filet que tu mets dans la sieve. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est compliqué. C'est beaucoup plus complexe. Alors que si tu dis, par exemple, voilà, si vous voulez obtenir tel item, je sais que alors, je suis très conscient que c'est un travail monstrueux. Enfin, ça, oui, je suis d'accord. C'est pour ça, d'où l'idée de proposer aux joueurs de t'aider. C'est vrai. C'est une bonne idée. Hein. En plus, ça permet de faire donner un peu. C'est bête ce que je veux dire, mais de donner de l'importance aux joueurs. Du côté où les joueurs pourront être fiers derrière de se dire bah, moi, j'ai contribué, quoi. C'est ça, mettre la pierre à l'édifice. C'est ça, c'est. Parce que moi, que si Fox. Pour les quêtes, là. Non, toi, tu feras plus les quêtes. Tous les joueurs se plaignent. C'est fini. Attends. Non, j'attends pas. Les sommes sur phénoménales d'items que tu demandais. Attends. Moi, quand je fais un modpack, déjà, je repasse par-dessus. Après, j'ai fini. J'ai même pas eu le temps de finir les quêtes. Alors. Pour la défense de moi-même, c'était devenu, tu faisais moins en moins, après je peux comprendre que tu aies une vie à côté, c'est normal, mais c'est vrai que c'était vachement ralenti au bout d'un moment, et du coup derrière... Donne-moi une deadline, tu vas respecter. Tu me donnais pas de deadline, je peux pas. C'est normal, je suis pas un tyran non plus. Moi je suis un tyran, tu veux savoir. Tu veux que je sois pas trop dur avec les quêtes, faut que tu me le dises, sinon c'est sûr que je vais te saisir avec les quêtes. Ouais, mais moi je suis pas comme ça, tu vois. Moi je laisse de la liberté. Même au staff, mon staff il a de la liberté. Avec moi, faut pas quand je fais les quêtes, faut me dire précisément qu'est-ce que tu veux, sinon je vais te saisir tout le temps, tout le long. Ah ouais, j'imagine. Si tu as besoin d'aide pour les quêtes, je suis là, mais faut que tu m'encadres. Ouais, faut que je voie. Je vais voir avec toi, on en reparlera ensemble. Il y avait quoi d'autre? Si on discutait de quoi à l'instant? On discutait du petit wiki. Du wiki, ouais. C'est le wiki. Ouais. Ouais, faut que je fasse une annonce et que je leur demande quand la bêta aura ouverte au final de ouais. Commencer à contribuer, mais j'ai pas envie que ça soit non plus il va y avoir un canal Discord, mais j'ai pas envie que ça soit le Dawa dedans, genre il y ait 10 personnes qui mettent le même craft, enfin ça va arriver, c'est sûr. J'ai pas pensé à ça, oui. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a, ils vont spammer des crafts, et il y en a un autre derrière, il va spammer des crafts, et il y en a un autre, ils vont encore spammer des crafts derrière, et il y en a, ils vont être identiques, et je sais pas, faut que je voie comment organiser ça. Ouais. J'avais une dernière question que j'ai notée. Vas-y, je t'écoute. Si le chat faction survie Skyblock, tu comptes les regrouper, donc c'est un travail, je pense que pour les modos, ils vont être ravis. Ah bah ça oui. Mais si tu commences à avoir beaucoup de joueurs, tu penses pas que le chat va commencer à être illisible? Si, en fait c'est ça le problème. C'est pour ça que possiblement je réussir à faire ce que je veux. Et si c'est le cas, c'est juste super. Mais je pensais en une commande, désactiver tous les chats et activer que le chat dans le serveur où toi tu es. Et pour ceux qui sont un peu plus qui aiment bien discuter, avoir tous les chats d'activer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, par contre ça a l'air un peu compliqué à mettre en place.
je pense. Je sais pas. À moins que t'as déjà une idée, ça... J'ai à peu près 2-3 lignes de code qui pourraient marcher. Ok. Avec des conditions. Que je pense que tu utilises un certain plugin pour lier ton serveur Minecraft et Discord. Ouais, c'est Discord SRV, là. Ouais, bah c'est le seul qui existe, on va dire. Ah si, il y aura ça dans le serveur. Je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en vocal. Je trouve ça triste. Ouais. Et quand tu te connectes au serveur, ça te demande ton micro, tu l'actives et tu peux parler aux gens dans le jeu sans être forcément sur Discord. Donc je pense que j'ai mis ce mode là à voir ce que ça donne. Ça peut être cool, mais ça peut être cool, ouais. En fait, c'est un mode en Skyblock. Ça va être compliqué parce que t'as personne sur ton île. Bah, tu parles tout seul, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr, tu parles à ta vache ou à ton mouton, il va peut-être te répondre. Non, mais le Skyblock, normalement, les îles pourront peut-être se coller. Enfin, comment dire, si deux personnes développent assez leur île, normalement, ils devraient quasi se toucher au niveau des îles. Il y aurait des blocs d'écart, normal, ouais. Où il n'y a pas de build pour séparer correctement les îles. Mais je sais qu'à l'époque des Skyblocks, nous, c'est ce qu'on faisait, il y avait des limites. Genre, il y avait peut-être 4-5 blocs d'écart avec le voisin, mais nous, avec des pistons, on poussait les blocs pour réussir à traverser cette barrière. C'était assez marrant. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen. Comment dire? Il y a moyen que les îles puissent quasi se toucher. Hein. Alors, moi, pour le coup, j'ai très peur des îles qui se touchent. Je vais te dire pourquoi. J'ai déjà été sur un serveur comme ça m'a vraiment déplu. Il y avait une personne qui était collée à moi. Ouais. Elle est venue chez moi et elle avait les permissions d'ouvrir les coffres et tout parce que j'avais pas pensé à ça. Alors, c'est pas de la faute de ta faute ou de la faute du joueur, c'est de la faute du gérant du serveur. Parce qu'en fait, tout plugin de Skyblock, de base, tu peux pré-régler les permissions et dire là, quand quelqu'un lance son île. Direct, les coffres sont inaccessibles, la personne ne peut pas build, ou alors, dans le cas inverse, quand tu crées une île, tout le monde peut build dessus, ou tout le monde peut ouvrir les coffres. C'est des paramètres tout bêtes à activer, et je pense que la personne a juste balancé le plugin comme ça, sans rien régler, et c'est resté le réglage de base. C'est fort probable, je vais pas te mentir, c'est fort probable. En plus, sur le Sky, là c'est un système de claim. Et du coup, les claims, ça c'est imparable quoi. Enfin, les explosions sont désactivées. Bon, il y a certaines explosions qui passent outre les claims, et ça c'est embêtant. Je l'ai vu sur la version 1.16, mais sinon, ouais, normalement, voilà. Oui, je l'ai vu. Alors, bye Kyo, tu peux prendre la parole, t'as le droit. Mais on a eu un problème en survie de Lala récemment. Il y a un type. Avec le Wither qui a réussi à détruire des bases. Pourtant, les explosions de base, quand c'est claim, c'est désactivé. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, qui sont chiants, mais qu'il faut faire gaffe. Et bon, bah pour le Wither, c'était aussi un peu de ma faute. Pour éviter qu'il détruise, c'était une commande à faire pour dire qu'il ne puisse plus casser de blocs. Mais... c'est un peu dommage, c'est parce que le Wither, du coup, quand tu le mets dans le Nether ou autre pour le farm, bah, il casse plus les blocs. Enfin, c'est. Voilà quoi. Et tu désactives un truc pour sauver les bases, mais d'un autre côté, tu rends plus facile le farm. Parce que tu pouvais le bloquer dans des blocs de terre au final, pour le farm. Et c'est dommage. Ouais. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça derrière, tu vois. C'est quand tu résous un problème, il y en a un autre qui s'ajoute derrière. Et quand tu le règles, il y en a un autre derrière qui arrive. Et après, si tu laisses la possibilité aux joueurs de choisir ou pas, non? Comment ça, de... Admettons pour le Wither, là? Ouais. C'est compliqué à faire. Il n'y a pas des plugins qui existent déjà pour ça? Si, mais enfin, c'est pas compatible. Des plugins, ça existe. J'avais déjà testé, mais c'est pas compatible avec les mods. Parce qu'en fait, les mods, admettons la terre dans Minecraft, c'est Minecraft de point terre, enfin dirt pour l'idée,
Alors que pour un mod, ça va être le nom du mod, deux points, le nom du bloc. Et Minecraft comprend pas ça, ce que c'est. Et il dit c'est quoi. Du coup, le plugin, bah, il fonctionne pas pour les blocs modés. Ok. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'en ai fait beaucoup. J'en ai beaucoup développé pour que, en fait, le mod et le plugin restent compatibles. Parce que je rentrais, moi, dans mon plugin, les items modés. Je les rentrais manuellement. Au lieu de les faire détecter automatiquement comme les plugins le font. Ok. Ouais, bah après, j'ai plus de questions. T'as répondu à toutes les questions. Ouais, pour moi, tout est bon. Tout est bon. Ouais, j'ai plus de questions. Je vais plus pouvoir t'embêter, ça y est. Donc là... Alors, moi, je demande un remboursement de 50 millions et quelques clés quand même. Parce que bon, le Wither... Bah, vu que le serveur va fermer, je pense que je peux te donner tout ce que tu veux. Je peux même te mettre en créatif. Vu que le serveur ferme là ce soir. Oh, trop bien. Tu pourras juste non, pas te connecter. Pas ce soir. Il y a des chances. Il y a des chances. Parce qu'en fait, je dois faire des sauvegardes des deux serveurs. Je vais tomber. Non. De toute façon, il sera reset le serveur. Tous les dossiers, tout sera reset. Donc, qu'il soit OP là. Donc, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être. C'est quoi en fait là, c'est... Tu as fermé pour réouvrir en, on va dire, tout neuf ou tu vas vraiment tout fermer, sauvegarder et faire la bêta? Bah, en fait, c'est ça. Là, actuellement, j'ai commandé, comme j'ai dit, en fait, t'étais pas encore arrivé, mais j'ai déjà commandé mon troisième serveur. Ce qui fait que j'ai déjà commencé à bosser sur le modpack et tout ça. Donc là, le modpack, à l'heure actuelle, il est entre grosses guillemets terminé. Quand je dis entre gros guillemets, parce que il y a quelques bugs encore à régler, moi de mon côté, avant de l'ouvrir. Parce que je vois bien que au niveau de ma console, quand je pose certains blocs, ma console elle pète un plomb, le serveur il passe à 100% de RAM, 100% de CPU, et je suis là, ok. C'est voilà, il y a quelques petits bugs à régler. Mais concrètement, là j'ai un mois de vacances, ça devrait pas trop tarder à arriver quoi, parce que j'ai un peu plus de temps. Ok. Donc là, du coup, excuse-moi, vas-y. Ah, vas-y, t'inquiète. Par rapport au bloc, là, comme tu disais, au CPU, machin, au RAM. Ouais. T'es sûr que c'est les blocs que tu poses et pas plutôt certains blocs qui sont déjà générés de base qui te font ça? Non, c'est vraiment quand je pose le bloc, parce qu'en fait, moi, quand ça arrive, je fais plusieurs tests. Je me mets à un endroit, je ne bouge plus. J'attends. Ça ne bouge pas. Je clique droit pour poser le bloc. Et là, ça se met à dégénérer. Et là, je me dis, c'est forcément le bloc. Au début, il y avait un mode. C'était Big Craft, un truc comme ça. Je l'ai mis. Tout allait bien. J'ai posé une table de craft de Big Craft. Le serveur a planté instantanément. Et impossible de me reconnecter, impossible de rallumer le serveur. Il y a des modes comme ça. Il doit avoir quelques prérequis pour qu'il fonctionne correctement ou quelques modifications. Mais ouais, c'est compliqué quoi, des fois les mods. Et d'ailleurs, je disais 260, c'est 230. J'ai le truc sous les yeux. C'est pour ça que j'ai la liste là sous les yeux. Si je peux vous donner quelques trucs. Qu'est-ce que je pourrais. Si je vous parle de laser. Y aura personnellement, je connais aucun mode hein, donc pour ceux qui connaissent les modes, du coup, je connais laser, jamais joué, mais je connais. Il y a un mode, c'est bête, mais pour moi, je le trouvais vachement bien. C'est Bibliocraft. C'est moi, j'aime bien la déco, tout ça, même pour faire les spawns, tout ça, ça va être beaucoup mieux. Mais il n'existait plus après la 1.12. C'est un mode qui est vachement bien. Y a quoi d'autre? J'ai mis, alors ça va être une surprise, vous verrez bien de toute façon, mais j'ai mis le mode qui fait que quand les mobs se déplacent, ou nous quand on se déplace, c'est plus réaliste, on va dire. Ah ouais, je vois. Et là c'est là où il va me détester, Nounours. Les araignées, quand elles se déplacent, je
Je te jure, c'est dégueulasse. Je ne viendrai pas finalement. Adieu. Ah non, mais je jure, c'est horrible. Je vais t'assassiner. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je déteste à cause des araignées, t'es au courant. Ah ouais, non, mais moi, c'est... Je vais te trucider. T'as-tu vu Erebus? Hein? Est-ce que tu as mis Erebus? Non, pas de souvenir. Ok, t'auras une mort moins glauque. Ah oui? Oui. La Erebus, c'est une dimension où il n'y a que des insectes, je crois. T'as des araignées, des tarentules, ah, ouais, d'accord. Des veuves noires dans le Niger. Comme je disais, il y a plus. Je crois bien qu'en plus, si t'es pas assez stuff, c'est assez galère en plus dans cette dimension. Moi, dans le Niger, c'est encore pire, mais des veuves noires. Il est fou. Je te parle dans Erebus. Bonjour. Dans avec Erebus. Salut Ben. Ah, Jazer, excuse. Attention. Oui, je passe vite fait en voc, hein. Je pars dans 10-15 minutes. Oh non, pas lui. T'inquiète. Oh non. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre que je peux vous teaser un peu en mode? Le meilleur modo est là. Quoi? Ça va, cheville? j'ai pas compris ce qu'il a dit en fait, ça a bugué je pense. Rien. Bon, après t'es le seul modo donc j'ai envie de dire François, oui. C'est clair. Mais du coup ça veut dire que t'es aussi le pire modo. Eh oui. Fais partie des deux. Je suis le meilleur staff après Creep. Mais oh, tu sais pas, mon tigre de... Okay. Tigre qui? Tigou. Oui, il y a Ramaré aussi, mais bon. Ne dites rien, elle est dans le canal vocal, ok? Ouais, mais Marie, elle est là sur Discord. C'est vrai. Ouais, mais après, si on dit des conneries, elle peut pas nous taper, alors que toi, Psycho... Bon. Ah si, elle peut vous taper, hein. Elle peut vous mettre un uppercut à travers un écran, t'inquiète. Salut, hein, t'inquiète, c'est gentil. Je fais des conneries, mais pas trop quand même. Par contre, j'ai eu trois questions qui m'ont venu à l'esprit. Ouais. Est-ce qu'il y aura un rôle bêta-testeur? Je sais pas, je pense pas. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais c'est juste que pour ceux qui auront, admettons, le rôle bêta-testeur avec un grade, voilà, il y a un moment. Ça fait beaucoup en fait dans le chat. Ça commence à faire des chats de. C'est bête du terme que je vais utiliser, mais ça fait chat kikou avec des pseudos et des préfixes à rallonge. Moi je veux le grade Questmaster. T'auras le grade banni. Déjà je trouve le fait que le bêta... j'interviens comme ça. Hein. Ouais. Je trouve que le truc bêta tester en soi c'est pas. C'est un peu plus chiant qu'autre chose à faire parce que bon, si on commence à mettre tout le monde en bêta testeur, en soi, ça va pas être un serveur en bêta test du coup, tu vois. Tu vois ce que, enfin, je sais pas si on voit ce que je veux dire. Là, actuellement, bah, sur les deux versions qu'on a eues, généralement, les bêta testeurs, c'était qui? Bah, c'était nous les modos, quoi, avec Creep. Et bah, on n'était pas en voc d'office sur Discord, mais Creep a mon Discord privé, donc bah, quand il venait me demander s'il y avait des trucs qui allaient bien, s'il y avait des trucs qui a changé ou quoi. Après, voilà, je comprends qu'il y ait des joueurs qui veulent aller en bêta test, mais le problème, c'est que si on commence à faire aller un joueur en bêta test, on va faire venir deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis au final, il y aura tout le serveur Discord en bêta test, quoi. Alors, ouais, alors le serveur en version bêta sera ouvert, je pense. T'as loupé une partie, Jazer. Oui, je me doute que j'ai loupé une partie, désolé. Mais, je suis rentré du taf et je viens de manger, donc. T'inquiète. Comme je disais, je pense que la version bêta va être ouverte publiquement. Mais il y aura un reset. Et ça, faut que j'insiste sur le côté reset pour pas que des joueurs se mettent à jouer en mode « Ouais, c'est bon, il est ouvert. » Et que du jour au lendemain, on dise « Bah, c'est bon, on fait le reset. » Et que là, ils se disent « Pourquoi ? Bah, j'arrête de jouer. » Tu vois, je veux vraiment insister sur ce côté-là parce que c'est ça le truc. C'est que je veux pas que demain, il y a un joueur qui se dise « Vas-y, je me casse, c'est bon, on reset tout. » quoi. Parce que, comme The Booth disait, là, il y aura le survie, le FAQ et le Skyblock. Mais comme disait The Boost tout à l'heure, le Sky, tu débloques des trucs beaucoup plus tard. Et donc, tu découvres des trucs beaucoup plus tard. Et ça a été le problème du Sky. C'est qu'il y a eu des bugs qui sont arrivés vachement plus tard parce que c'est en fonction de la progression. Alors que le survie, c'est un peu plus direct, on va dire. Mm-hmm.
Et c'est pour ça que je peux pas me permettre de faire une bêta fermée, parce que il y a 3 serveurs à tester. Et forcément, 3 serveurs à tester à 3, c'est un peu difficile. Ou à 2 même. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et aussi un autre truc, t'étais pas là, je pense que tu le verras dans le récap ou je te le dis rapidement. Les serveurs pourront être reliés. Tu pourras passer du Sky au survie, du survie aux factions en une commande. Les chats seront reliés, tu verras tout. Et on verra peut-être s'il y a, comme il énonçait tout à l'heure, quand il commencera à y avoir trop de monde, ça va devenir illisible. Donc peut-être mettre en place un système de désactiver, avec le joueur s'il veut, désactiver tous les chats sauf celui où il est actuellement, il pourra. J'ai 2-3 lignes de code qui pourraient faire ça, à voir si c'est concluant. Mais théoriquement, ça devrait fonctionner. Donc là, à voir. De toute façon, là, tu vois, je suis en live, donc il y aura la rediff. Je pense que la rediff, je la télécharger et la mettre en lien ou la poster sur la chaîne YouTube de CubeFox. Comme ça, ça fait vraiment un truc qui reste. Parce que les lives, les rediffs, malheureusement, ça reste pas plus d'une semaine, il me semble. Donc ouais. Voilà. Comme ça, au moins, elle restera. Pour ceux qui auront la flemme de regarder, il y aura à l'écrit. Ça, je l'avais expliqué dans l'annonce, mais je sais que la plupart ont lu deux bouts de mots et ils sont passés à la fin. Et voilà. Et là, je suis en train de teaser quelques modes. Notamment, un mode où toi, Jezer, tu vas kiffer. La Builder Wand. Cette Builder Wand... que ce soit toi ou Théo, je sais que vous l'aimez. Non. Oh. Oh. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vieille version de Draconic. Ender.io. Ouais. Ah oui, parce que, alors attends, t'es peut-être pas au courant, mais c'est un point 12, pas un point 18. Si, je crois si, que t'es au courant. Si, oui, si, t'étais au courant. Théo m'avait dit. Ouais, et puis bah de toute façon, je crois que je l'avais dit dans le salon staff. Oui, je crois. Mais ouais, Ender.io, tout ça, quoi. Enfin, les bons vieux mods de l'époque. Et puis, comme je disais, il y avait une plus grosse commu de serveurs 1.12, de joueurs 1.12 que de 1.16 et 1.18, quoi. Mm-hmm. On va dire, la commu 1.16, 1.18, 1.19, c'est, on va dire, les aventuriers, on va les appeler comme ça, parce que c'est ceux qui cherchent des nouveautés, qui veulent voir de nouvelles choses. Mais quand tu gères bien ta version 1.12, il me semble que je l'avais expliqué dans le salon staff, mais en gros, il y a des malades mentaux qui ont déjà dû créer comment il s'appelle, le Warden en mode 1.12. C'est même sûr qu'il existe. T'inquiète, il est sûr, c'est qu'il existe. Ouais, voilà, j'ai pas cherché, mais toute la version 1.18, 1.19, elle est trouvable en mode 1.12. Parce que, comme je disais, il y a une grosse communauté 1.12 qui existe et qui ne veulent pas changer de version et avoir les nouveautés. Mmh. Et c'est comme ça. Hein. Voilà, 1.12, ah ouais. Ça reste la version la plus jouée, je pense. Je pense aussi. Hein. Peut-être ça, il y a quoi d'autre? Parce que quand, ouais, je disais, il y a 230 modes. Après, ces 230 modes, c'est pas réel. Quand je dis ça, c'est parce qu'un mode, pour se lancer, il a besoin de, admettons, une librairie. Et cette librairie, elle compte comme un mode. C'est... Ouais, comme chez Matica, où il te faut une add-on. Voilà, c'est ça. C'est des add-ons. Et du coup, ça fait 230. Mais en réel, on va peut-être avoir 120 modes. Mmh. Et ça fait quand même 120 modes, c'est... Il y aura Nature Zora qui est très bien. Moi j'aime bien ce mode. Je l'ai jamais trop joué, mais moi je l'aime bien. Et puis le reste, je vous laisserai découvrir quand ça viendra. Là pour le mode pack, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je pourrais ou est-ce que je pourrais pas, mais du mode pack actuel où vous lancez le serveur sur CurseForge. Est-ce que ça fonctionnerait si je mets à jour le mode pack et que je mets le 1.12? Vu que c'est du 1.12 et plus du 1.16, je sais pas comment ça va se passer. Mais je pense que je peux faire une mise à jour comme ça.
Je sais pas encore. Je vais voir. Ouais. Ok. Mais voilà. Concrètement, j'ai tout abordé. Les questions ont été posées, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient arrivées entre temps. Ouais. pour changer. Ouais, je t'écoute. Est-ce que tu comptes recruter d'autres personnes ou pas, du coup? Ça dépend quelle branche. Mais ouais, je pense que je vais recruter. Je vais beaucoup faire de pub. Et en fonction des joueurs, je vais recruter. Parce que, bon, à l'heure actuelle, on va dire à tout péter, dans les plus hautes saisons, enfin, dans les plus hauts jours, il va y avoir peut-être 10 joueurs de connectés maximum, quoi. Enfin, 10 sur le survie et peut-être 5 en skyblock. Mais c'est pas non plus des sommes astronomiques pour avoir 40 modos, quoi. 5 personnes sur Skyblock, je suis content. Hein, c'est arrivé, quoi, qu'on monte à 10 sur le Skyblock. C'est rare. Honnêtement, c'est très rare. Hein. C'est très rare, parce que le Skyblock, c'est quand même difficile en modé. Ouais, mais c'est ultra, ultra sympa, par contre. Ah, ça, j'imagine. Moi, je me suis toujours habitué au Skyblock plugin. C'est ouais. Mon frère qui a découvert le serveur, il m'a montré et j'étais accro. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Après, c'est aussi ça, c'est que CubeFox a été créé vraiment pour l'expérience de jeu des joueurs. Parce qu'il y a des serveurs, on va pas se le cacher, ils sont créés pour la thune. La thune, la thune. Hein. On est entièrement d'accord. C'est pay to win. Quand tu fais un skyblock modé, tu sais de base, tu vas pas beaucoup avoir de joueurs, donc ton serveur sera pas rentable. J'en connais un serveur modé. Je donnerai pas le nom parce que voilà, mais en skyblock, c'est vachement pay to win. Oui, mais il y a combien de joueurs dessus? Il y en a pas beaucoup. Je sais pas, j'ai pas été depuis des années. Ouais, mais peut-être 2 ans que j'ai pas été, donc. Mais je sais qu'aux dernières nouvelles, ils se cassaient la gueule. Ouais, bah ça m'étonne même pas pour tout dire. C'est un serveur qui est pas trop pay to win parce qu'il. S'il est, faut quand même comprendre qu'il y a la machine qui tourne derrière, faut quand même payer le staff, tout ça. Pourquoi pas? Tu vois, je me dis pourquoi pas. Par contre, quand il est full pay to win, laisse tomber, j'essaye, tu vois. C'est ça. J'avoue, c'est quand qu'on est payé, nous? Quoi? Quoi? Je sais pas, ça bug. La question qui fâche. Ça va. Mais en vrai, pour revenir sur la question du recrutement. Ouais. En vrai, il va falloir un modo, mais dans le Skyblock. Si on a des joueurs Skyblock, il va falloir des modos Skyblock. Parce que ce soit moi ou Théo, on n'est pas Skyblock. Alors oui, mais c'est là où l'avantage de la 1.12 aussi, c'est qu'il y a du Bunky. Et le Bunky, comme je t'expliquais, tu vas pouvoir passer du survie au Skyblock en une seule commande sans te déco-reco. Mm-hmm. Et donc du coup, s'il y a quelqu'un qui a un problème en Skyblock, bah, tu peux lui répondre du survie. Et si vraiment il y a besoin, tu te TP en Skyblock, tu vois. Ça te demande 30 secondes. Mais oui, c'est clair que j'aimerais bien diviser des modos par section. Modo survie, skyblock, faction. Et ça, c'est à voir. Alors, j'aurais une dernière question avant de t'embêter. Je suis en lui avec ces questions-là. Bah oui, toujours. Ah non, mais c'est bien, c'est bien. Je kiffe ce serveur. pour les spawns, vu qu'il te faut 3 spawns, est-ce que tu laisserais pas les joueurs faire les spawns eux-mêmes? Comme ça, tu choisis le meilleur ou des trucs comme ça. Alors, ça, je voudrais bien, mais j'ai peur du résultat. En fait, si tu veux, le problème, c'est que un joueur qui bulle super bien, admettons, hein, je dis une connerie, il bulle super bien, mais il va se cacher des petits coffres par-ci, par-là, tu vois, mais qui sont pas visibles. Je sais pas, hein, je dis des conneries, hein. Mais c'est les trucs les plus redoutés, c'est ça. Il y a le truc de si demain il quitte le serveur, bah c'est pas que ça va faire une mauvaise pub, mais il pourra très bien dire ah, c'est moi qui ai fait le spawn, ils m'ont dégagé du serveur. Et ça donne un. Ça tape dans l'image du serveur, tu vois. Et le but c'est pas de. Alors que derrière, c'est lui qui serait parti de son plein gré, tu vois. Enfin, il y a plein de petites raisons qui font que je veux bien intégrer les joueurs au serveur. Enfin, qui puisse interagir au maximum avec le serveur, mais sans trop interagir. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. J'avais pas du tout pensé à ça, ouais. Y a plein de petites raisons. Faut penser à tout. Et je peux te dire,
Et je peux te dire qu'avec ce que Psycho nous a mis en chat staff, de tout ce qui sur tout ce qu'il a à travailler, que ce soit moi ou Théo, on a bégayé devant. Ah, et encore, la liste s'est agrandie. Hein. Pourquoi? C'est le nombre de choses à surveiller, c'est ça? Le nombre de choses qu'il doit faire à lui tout seul. Ouais. Ah. Parce que ce soit moi ou Théo, on n'y connaît rien en codage, donc on ne sait pas l'aider du tout là-dedans. Et le truc, c'est que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'il doit faire. Ah bah c'est et là, oui. Clairement, et clairement, que ce soit moi ou Théo, il y a marqué « Courage, hein, salut, hein !» Oh, c'est ça. Ah, on voit le staff, hein. Quel beau staff, quand même. Ouais, on est meilleur staff. Quelle solidarité. Après, je peux les comprendre, hein, c'est pas leur métier de base, hein. Ils sont là pour modérer. Je leur ai même fait un petit cadeau, ils ont un menu pour eux, quoi. Bon, il marche pas totalement, il a bugué, je sais pas, il a arrêté de vouloir marcher. Arrête, il marchait super bien, et du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, il a arrêté de vouloir marcher. Ça, c'est la magie des codes. Les modos, ils l'aimaient pas, donc du coup, ils l'ont fait crash, t'inquiète. C'est pour ça, ils sont jaloux. Moi, je tiens quand même à dire que le modérateur avait plus de perles que le chef modo. Hein. Mais non, ça, c'est faux. Quoi? Ah, j'avais pas vu. Ah ouais. On a entendu en fond le. Il y a du monde sur Twitch. Non, c'est. Elle a dit il y a Théo sur Twitch. Ah. Et en fait oui, parce que depuis j'ai à l'époque j'avais qu'un seul écran, maintenant j'en ai deux, je peux profiter des deux écrans. Non, mais salut Théo, ça va. Et. C'est quoi ta chaîne Twitch? Déjà j'ai oublié. Hein? C'est le même nom que sur Discord. C'est quoi ta chaîne Twitch? Bah en fait il y a eu un petit ping tout à l'heure. Pour ceux qui ont activé les pings. Ouais. Mais attends, mais j'ai désactivé les pings sur ta chaîne, moi. Tu désactives toujours les pings. Et après, il dit, hop, je n'avais pas vu l'annonce. Mais après, tu nous enquiquines avec tes... Oui, mais tu nous as pas prévenu. Et l'heure de... et l'heure de Strasbourg, je sais pas quoi. Ouais, mais t'as qu'à regarder. Mais non, mais... Ah, mais reste là. Ah, j'ai trouvé le channel, c'est bon. Mais il y a pas de ping aujourd'hui. Ah oui, il y a un ping aujourd'hui. Oh, la vodka, ça réussit pas, hein. C'est pas la vodka, je pense. On est sur Twitch. On a tous non, compris. Non, c'est pas la vodka. Ah bah, il a rejoint en vocal. Attention, c'est le chef modo, ça rigole plus, là. Ouais, faut pas que je dise son pseudo, parce que je vais me tromper. Oui, c'est faut pas le dire, son pseudo. Voilà, c'est ça. C'est Voldemort. Comment on prend un son pseudo? J'ai jamais compris, moi. Non, mais ouais, va falloir qu'on recrute. De toute façon, les recrutements, modo, tout ça, ça passe aussi par le staff actuel. Hein. Je demande toujours l'avis de la fondatrice et les deux bouts de modo qui restent. Hein. Super quoi. Quand ils sont là et quand ils répondent. Bon, il dit qu'on répond jamais aussi, va. Alors, le mec, quoi. Non, pas il dit qu'on jamais. Répond plus souvent que lui, genre. Mais genre, on répond pas, nous? Non. Le mec, on répond H24, et lui, on le ping. Par contre, il nous ping, on répond, allez, 5-10 minutes après, on le ping, lui, il nous répond 6 heures après, ouais. Alors, désolé, je travaille. Ouais, moi aussi. Non. Non, mais je travaille 7 jours sur 7, c'est compliqué en ce moment. Moi, j'ai une question qui n'a aucun rapport. Oui. Est-ce que quelqu'un connaît Patrick Saint-Cab? Quoi? Pas du tout. Non, mais aucun rapport. Et moi, je vous coupe parce que je vous dis que je m'en vais. Ok, allez, ça roule. Je vous dis un de ces quatre. Et merci, Baikio. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Ah bah Tonton est parti. Du coup. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais. Alors, juste une. Encore une question. Ah si. Faut en profiter, hein. Pour changer. Encore ? Ouais, bah. J'aime bien le serveur, tu m'excuseras, hein, mais bon. Non, en vrai, est-ce que, vu qu'on est dans le vocal et tout, on a une petite date de sortie pour la bêta ou pas ? Alors là, en avant-première.
Je t'avouerai que je peux pas fixer de date parce qu'en fin de compte, c'est en fonction de tout ce qu'il y a à faire. J'ai trois serveurs à faire. Je pourrais te dire dans 2 semaines si je m'y mets vraiment comme un taré, comme je peux te dire dans 1 semaine. Mais je veux pas en fait donner de date parce que si j'ai du retard, ça fait râler. J'aime pas quand les gens râlent parce qu'il y a que moi qui râle ici. Non, je râle, je me rappelle. Non, non, mais je sais pas, je pourrais pas donner de date exacte, mais je vais essayer de faire au plus vite. En si restant. Si tu me dis mi-août, si mi-août c'est sorti, non, moi, c'est, non, ce sera peut-être avant. Ah bah parfait, parce que j'ai mes congés là, je vais charbonner. Quoi? Ça tombe bien, attends, je suis en vacances 20... dans 2 semaines. 25 juillet. Ouais, je sais pas, parce que c'est vrai que moi je pars du 30 à je sais plus quand. On voit qu'il y en a, y en a qui ont les moyens quand même, hein, dis donc. Mais non, c'est pas question d'avoir les moyens, c'est question que c'est mes vacances. Moi pendant mes vacances, je joue pas. Je... Il part en vacances sur Minecraft. En vrai, si j'aurais pas eu le serveur, je pense que j'aurais fait mon petit Proxmox, un truc de geek, tu vois. Dans mon métier, j'aime bien ça. Non, mais en gros, si tu veux, j'aime bien l'informatique, je suis dedans. Voilà, c'est... Ouais, bah ça, ouais, je le savais, ça. Voilà, et en vrai, je fais pas d'autre chose. Hein. C'est pour ça que ton truc Minecraft, quand tu l'as dit, tu fais la reset, ça m'a fait mal, un peu. Ouais, bah c'est normal. Bah, reset, ça fait jamais du bien, hein. À part pour les anciens joueurs, je vois Tigrou. Tigrou, lui, ça lui fait. Même les anciens, hein. C'est genre Tigrou, il attendait que ça, un reset. Hein. Parce que il avait à terminer le mode pack, mais en quasiment vrai, à 100. Ouais, quasiment, quoi. Dire, j'attends que ça. Parce que c'est vrai que. Modo, pour l'instant, il n'y a pas de modo sur le Skyblock qui joue beaucoup. Non, on n'en a aucun. Merde. Du coup, je serai top 1, il n'y aura pas de difficulté pour moi. Dommage. Verra. Est-ce que je provoque des gens? Ouais, totalement. Non, non, on verra, on verra. De toute façon, je vais essayer de refaire de la pub à pleine balle. Comme Era Marie a dit tout à l'heure dans le channel, on va essayer de redévelopper un peu les réseaux sociaux. C'est vrai que ce soit TikTok ou autre, c'est un moyen de faire une pub gratuite en plus. Où tu peux t'amuser un peu, on va dire, entre guillemets, à faire la pub et redonner un peu cette importance à l'histoire du serveur, en fait. C'est vrai que l'histoire du serveur, le serveur a été créé sur ça à la base. Et il y avait, comme je disais, le faction, le survie et le roleplay. Parce que c'est un peu un ordre chronologique, tu vois. Il y avait le faction avec la destruction, le survie avec la reconstruction et le RP quand c'est fini d'être construit, tu vois. Mais il y a un ordre, il y a tout ça, et c'est vrai que au fil des versions, à la base on était en vanilla, on est passé en modé, et c'est là où ça a commencé à être un peu plus compliqué de faire un RP, faction, survie, les serveurs, il faut des serveurs plus compétents, on va dire. Hein. C'est ça, il faut des trucs plus puissants et ça coûte forcément plus cher. Donc là, déjà, prendre 3 serveurs, je vais devoir vendre un rein. Non, je déconne, pas à ce point-là, mais c'est pas. Enfin, voilà. Après, avec cette version actuelle où on a eu, il y a eu pas mal d'achats sur la boutique, ce qui fait que bon, bah, je peux reprendre un serveur, c'est pas grave. Enfin, pas grave. Il va falloir que je fasse vite. Si je reste 8 mois comme ça, ça va faire mal à force. Ouais, je vois ça. Ouais. Et voilà, quoi. M'étonne. Parce que là, actuellement, je crois qu'on est à. Ça doit être à 32 Go de RAM avec un Ryzen 7. Ouais. C'est pas dégueu comme serveur. C'est un truc. C'est un VPS ou c'est mutualisé? Non, c'est pas un VPS, malheureusement. Je sais pas, j'accroche pas les VPS. Je sais pas, c'est pas mon délire. Après, c'est des machines. Des machines, je crois qu'il y a 7 processeurs dedans, un truc comme ça. Ça va, quoi. C'est plutôt bon, ouais. Niveau stabilité. Et il faut que derrière, en fait, on a des machines qui tiennent le coup. Qui peuvent supporter beaucoup.
mais il faut que le modpack soit le plus optimisé possible, parce qu'un modpack qui n'est pas optimisé, tu peux avoir la machine la plus performante que tu veux, avoir un PC de la NASA, si tu as deux modes qui rentrent en conflit, ça te fait une boucle, le truc il part en vrille, et la machine elle finit sur Pluton. Ouais bah tu m'étonnes, oui. Surtout que Minecraft est codé en, avec le pire langage ouais. de programmation, ah. le Java. C'est surtout que de base, Minecraft n'est pas fait pour le multijoueur. Parce que, je sais plus, je sais qu'il y a un truc comme ça, que ça utilise plus... Enfin, c'est mal optimisé pour les serveurs. Oui, au niveau des cœurs, tout ça. Oui, c'est ça, au niveau des cœurs. Et du coup, ouais. bon, bah... nous, joueurs... oui. Bah Spigot, je sais que par exemple pour les plugins, ils ont eu pas mal de succès parce qu'ils ont juste réussi à déplacer le chat dans un autre cœur. C'est ça. Léger un petit peu, mais c'est pour Minecraft, c'est une révolution le truc. Regarde Forge, ils ont cartonné, c'est parce que voilà, ça rajoute du contenu à Minecraft sans trop le rendre lourd. Bon, ça dépend des modes. voilà, si tu prends un draconique que tu remplis ta base de noyaux là. Qui te font laguer comme pas possible, ou alors mecha avec les noyaux d'évaporation thermique là. Ouais, voilà. Vite aussi, ça consomme pas ah, mal bah oui, bah ça, c'est normal, c'est parce que tu retires un pixel dans un jeu pixelisé. C'est ça. Voilà, c'est un retournement de cerveau quoi. Et t'as des mods comme Create, ça fait pas plus laguer que ça, je trouve. Il est super bien opti par contre. Il est hyper bien optimisé. T'as des animations, genre elles sont mortelles quoi, les tapis, les rouages, tout ça. Et ça fait pas laguer plus que ça. C'est bien foutu. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Bah à part ça, bah t'as répondu à toutes les questions, j'en trouve pas d'autres. Ah ouais, mais c'est normal, hein. il faut savoir répondre. Je m'étais préparé, hein. À répondre à ça, toutes hein. sortes de questions. Même les plus farfelues, c'est... Miracle, il a... L'enflure. Non, mais c'est bien qu'ils posent des questions, parce qu'au moins, si d'autres avaient des questions, quand ils vont regarder la rediff, quand ils vont lire le descriptif, et qu'ils avaient des questions du même genre, au moins, on va dire que toutes les questions sont plus ou moins répondues, quoi. Les inquiétudes, les... Il y en aura d'autres, ça c'est clair. Je pense que là, après cette conférence, je vais créer un petit salon pour toutes les questions sur l'avenir du serveur, pour ceux qui auront lu le débrief, tout ça, quoi. Là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est vraiment reprendre la rediff, la décortiquer et faire le meilleur, enfin, on va dire le meilleur, le plus court possible, mais en étant le plus enrichi possible, parce que si je fais un débrief de là, ça... Tu vois, si je regarde le live, ça fait une heure et demie qu'on a lancé le live. C'est-à-dire qu'il y aurait plus d'une heure et demie à écrire. Ça fait beaucoup. Et ouais, genre, ça ferait un dictionnaire à lire, quoi. Moi, j'avoue, les refs. Enfin, je suis pas avec vous, mais... Dans le coup, ouais, ça ferait beaucoup à lire. Et personne lirait. Ouais. Après, là, comme je disais, je vais prendre... la rediff du live, je vais la télécharger, la mettre sur YouTube, comme ça elle restera en permanence. Ouais. Et ce sera sur le YouTube du serveur, donc ça va encore. C'est pas non plus hyper dur à trouver. Va me la faire à moi. Tu sais, le YouTube du serveur, faut aller dans le Discord, faut descendre en bas. Non, c'est en haut. Ah, c'est en haut, merde. Oui, t'es pas au milieu. Je crois que c'est dans réseaux sociaux, voilà. Non. Dans réseaux sociaux, il y a le Twitter, le Facebook, l'Instagram, YouTube et TikTok. My bad. J'ai rien dit. On va y faire ça du live. À faire un cut à ce moment-là, s'il vous plaît. C'est ça. Après, on va croire que je suis con, même si c'est un peu la réalité. Mais bon, faut pas trop que ça sache quand même. Ah là là. Ok. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Tigrou? Est-ce que tu as des questions, vu que tu n'as pas été là dès le début? Parce qu'après, toi, je sais que Tigrou, t'étais un peu... le staff était un peu prévenu avant, on va dire, tout le monde. Bah, c'est le staff, hein. C'est normal qu'ils soient prévenus. La bêta, je pense que... Je sais pas. Comme je disais, c'est l'ouverture de la bêta. Ça varie vraiment en fonction de plein de choses, tu vois. C'est...
Est-ce que j'ouvre la bêta sans les quêtes? Est-ce que j'ouvre la bêta avec les quêtes? Ça, c'est la question que je me pose. C'est parce que pour les quêtes, il y a forcément des bugs qui peuvent être présents. Oui, justement, les quêtes avec la bêta. Les quêtes, quel mode tu veux utiliser? Pour la bêta? Non, quel mode de quête tu veux utiliser? FTB Quest. Comme d'hab. Problème avec ça. En fait, même n'importe quel mode de quête, en 1-12, quand il y a beaucoup de quêtes, même juste un nombre moyen de quêtes, quand tu crées, quand tu fais une modification dans les quêtes, ça fait un lag pour tout le monde. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, si, je m'en souviens. En 16, c'est réglé. En 16, c'est réglé, mais pas en 12. En 12, ça fait un lag pour tout le monde qui a beaucoup de quêtes. Ouais, je me souviens. Quand il y a beaucoup de quêtes, ça en fait pas, mais quand il y a beaucoup de quêtes, ça en fait. Mais c'est que, en fait, moi, à part FTB Quest, je connais pas d'autres modes bien pour les quêtes. Si, il y a celui avec le livre, mais je connais celui avec un autre livre, mais que la touche n'existe pas pour le pouvoir l'ouvrir, mais je connais le fonctionnement un peu. Ouais. Ouais, ça, on en discutera ensemble si tu veux, parce que c'est vrai que là, pour le coup. À part FTB Quest et c'est Quest Book. Oh, le Better Questing ou je sais plus. Je trouve Better Questing et Hardcore Quest Book. Ouais, peut-être. Il y a trois modes de quête. Ouais, je sais plus du tout. Et salut Clem. Mais ouais, je sais pas du tout lesquels utiliser. Parce que c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me souviens, ouais, FTB Quest faisait énormément la guerre en 1.12. Ouais, à partir du moment qu'il y a beaucoup de quêtes, ça fait lag. Ouais, c'est ça. Et vu qu'il y a à peu près pas mal de modes. après, normalement, le mode pack est assez optimisé. Je devrais c'est l'avoir. Le mode pack, c'est FTB Quest qui fait ça, qui a du lag. Après, peut-être que. Parce que j'ai vu que récemment, il y avait eu une mise à jour de FTB Quest 1.12. Donc, ils font encore des mises à jour sur la 1.12 de FTB Quest. Ah, bon. Donc, peut-être que ça a été réglé entre temps. À voir ce que ça donne. Franchement, là, bah, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé déjà à bosser sur le serveur. Déjà, quand je me suis connecté la première fois sur le serveur avec le nouveau mode pack. J'ai vu la map et je me suis dit, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'on va s'amuser là-dedans? il va y avoir de l'exploration, ça c'est clair. Ça va être fini un peu le côté AFK à côté des machines. Oh, l'AFK, moi et l'AFK, une belle histoire d'amour. Ah ouais, mais toi, je crois que je devrais faire même un top d'AFK, quoi. Mais voilà, enfin... C'est là la version 1.16 modée. Bon, bah, il y a eu beaucoup de farming de machines et pas trop d'exploration. Et j'ai vraiment voulu changer ça, quoi, parce que je trouve que c'est mieux. Attends, quand même, que j'ai envie de te tuer à cause des araignées. Ouais, voilà, il y a même des donjons remplis d'araignées, donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Oh, je vais te tuer encore plus. Je vais venir faire les quêtes, je vais me barrer pour toujours ensuite. Non, t'inquiète. Mais ouais, je vais voir. On va voir tout ça. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui viennent, faut pas hésiter. Là, j'ai du temps libre. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Un petit giveaway pour la fin? Non, on se connecte tous, tu fais un petit giveaway? Ouais, bah moi je suis sur le serveur depuis un petit moment, ça me dérangerait pas. Mais il va fermer. Attendez-moi d'abord. Mais pour la fin, justement, pour fêter. Justement, on va dire pour clôturer, qu'on passe tous un bon petit moment. Ah là là. Qu'est-ce que t'en penses? Un giveaway. Ouais. Ah, ça nécessite que je lance Minecraft aussi, quoi. Moi aussi, je le lance. Moi aussi, je suis en train de le lancer. Moi, je suis déjà dessus depuis tout à l'heure. Hein. Allez, mais pourquoi malade. T'as pas proposé? Mais. T'es mal à la taille des rats, quoi, sérieux? Bah ouais, attends, pour quelques heures, on peut bien profiter quand même. Bah, quelques heures, je dirais plutôt quelques minutes, hein. Ah ouais, ça se compte en minutes, là? Ah, ça se compte en minutes, ouais. Ah mince.
Il va y avoir la clôture c'est bientôt. Chopé, hein, tu... Non, il y a pas. Ah là là, ok. Moi je suis au spawn, hein, je vous entends au spawn. Normalement, si je fais ça, c'est censé marcher. Non, c'est pas censé marcher, non. Non, ça marche pas. Non. Ah merde, non, t'inquiète. Et sinon, si tu as arrêté le serveur, non, t'as pas le droit. On peut. Nous, on peut. Non, c'est avec les logs. Ah, player not found. Si, ça va marcher, t'inquiète pas. Heureusement qu'on te dit non, mais bon. Attends, on parie. On est... Je suis sur le live, hein. Tu t'as fait le slash. Ça marche pas. C'est... Ah! Créa! Et bam! Alors? Ça peut pas? Je connais quand même mon Discord! Si tu fais comme ça aussi, hein, ok, non mais. Ouais, non mais voilà nuque. Quoi. Ah merde, y'a pas de nuque. Ah, c'est con, hein. Allez, faites-vous plaisir pour la fin. Slash fly, oh là là. Y'a qui d'autre en fait de connecter à part Baikyo? Bah, moi je suis en train de le lancer. Ah! Je vais vous laisser profiter. Qu'il y a que j'ai toujours voulu essayer. Ça marchera pas, Nounours. Faut des permes. Il est fou, lui. Il a cru qu'il pouvait. Non. Ah, bah, tu ne tentes rien à rien. Hein. Exactement. Non, mais ouais, j'avais instauré ça aussi pour les modos. Parce que c'est plus simple. Admettons, t'es pas chez toi, t'es pas connecté, il y a le bordel. Tu peux quand même ban depuis le Discord, quoi. Mais t'as pas la console toi aussi? Enfin, je sais que t'as le chat et la console normalement sur Discord. Ouais, j'ai la console, ouais. J'ai la console sur Discord, sur mon téléphone, partout. Ouais, ça on reconnaît un bon fonda là. C'est... Ah non, mais surveillance, on m'appelle Big Ben. C'est Big Ben. la ref. Hein? J'ai pas compris la ref. Moi non plus. Ok, yes. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. C'est parce qu'elle est grosse, Big Ben. Et du coup, elle est grande. Et du coup, elle voit tout. Bah, du coup, FNAF. Eh, oh, c'est ça va là-haut. Hein. Oh, ça va être une dinguerie, ça. Aussi, oh, ouais. Five Nights at Freddy's. Oh, c'est trop bien. De quoi? Ils font quoi comme dinguerie? Faut les surveiller. Je sais oh, pas, il a dû faire un truc. Oh, obligé, oui, je suis obligé de faire ça. Obligé. C'est tué, je crois. Genre, il a dû lancer un truc ultra nucléaire. Attendez, je veux venir faire crash le serveur. Non, toi, tu resteras en survie, toi. Pourquoi? J'ai juste... Et comme ça, les autres pourront te tuer. Mais moi, je peux peut-être avoir au moins. Et toi, je viens de découvrir un objet. Ça s'appelle le terraformer portable. Ouais. Je connais pas, je vois en français. C'est carrément un truc que tu fais clic gauche sur ce que tu veux. Ça te sauvegarde le bloc ou quoi dans le machin. Tu fais clic droit, ça le place où tu veux. Ouais. Je connais pas les gens en français, je connais les gens en anglais, puis en français québécois, mais pas en anglais. Pas en français que français, je pense. Il y a quoi ici aussi? Attention. Non, pour la Deep Slate là, en québécois, vous savez c'est quoi ou pas? La Deep Slate en québécois? En français québécois de Minecraft. Parce que j'en quoi. Ai aucune idée. Hein. C'est de la profondeuse. Oh, bam! D'accord. Oh, j'ai coupé le live, puis après, on commence à faire les sauvegardes. Ah non, je veux venir, je fais 14 sans savoir, moi, j'ai juste... Regarde maintenant au cas où, parce que bon... Ah, mais il y a une save, là, qui est faite... Enfin, une backup, qui a été faite à 18h30, à peu près. C'est bon. J'ai pas fait grand-chose. Est-ce donc que j'ai l'impression de partager mon écran pour le dernier truc? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Mais quoi qui sent pas? Normalement, ça devrait être bon. Attends, marché. Ah non, je vais me le ban, je fais le ban.
D'accord. Ouais, juste pour ça. Ça, c'est beau. Hein. T'as rien vu, psycho. T'as rien vu, Philippe. T'as rien vu. On va modifier ça, là. Ça, ah, on pouvait casser ici. D'accord. Ouais, on pouvait casser ici, ouais. D'accord. Oui, pourquoi je sais pas, partage d'écran aussi. Partage d'écran. En vrai, le Skyblock en 1.16, les plugins déjà, ils faisaient crash le serve. Du coup, je suis obligé de passer par un mode Skyblock. Sauf qu'il est pas trop conçu pour le multi, mais plus pour le solo. Et donc, du coup, très compliqué. Et en 1.12, c'est là où moi je suis content, c'est qu'en 1.12, il y avait des plugins pour le Skyblock qui étaient les meilleurs. Les plugins ouais, en 1.12 Skyblock ouais c'est pas mal. Ah ouais, bah pour tout en fait, que ce soit mode plugin 1.12, c'est là où ça a été le plus travaillé quoi. Ouais. Un spawner à cochon. Demande pas pourquoi. C'est juste. Je suis en train de regarder les conneries qu'il fait. Mais qui Zebus. Ça va ou quoi là? Ah, t'auras pas la perme pour changer. Oh non, c'est dommage. Pour une perme. Quoi, what? C'est trop beau. Il est beau. Ouais. Je découvre des mobs. Hein, je... ah bah ça m'étonne pas. Hein. Oreo. C'est quoi ça, Oreo? Ça c'est trop bien, ça donne une blindée de bouffe ça. Ouais. J'ai un suite de crash puis de me reconnecter à mes abonnements ou quoi là? Spoiler. What? Alors, regarde pas. Hein. Ouais, arachnophobes, il faut pas. Ah, ben au moment de ça, j'ai regardé. Ça fait peur. Comment que le stream, j'ai peur. Ah bah oui, tu le vois sur mon truc à moi. Non, je vois pas, j'ai quitté. non, je l'ai quitté. Ah, j'aurais pu le mettre en plein écran. Je sais pas de quoi se parle, je suis content, ça va ne pas savoir de quoi se parle. Mais en fait, c'est des boss. Il y a des boss, ouais. On sait même pas en Skyblock. C'est en Blue Sky. Ça, tu fais un portail. Mais c'est ça aussi, en fait. Le problème du Skyblock, c'est que y a plein de blocs qui n'étaient pas atteignables. Et j'avais pas tout mis en shop. Que c'est hyper long à mettre en shop. Bah, tu m'étonnes. Mais je vais voir. Bah, tu as juste à marquer une commande dans le chat là de Minecraft Discord. Ouais. Et on vous dit bye bye quoi. Ouais, mais je vais pas nous laisser ça. On s'amuse un petit peu, non? Ah, faut... des grenades. Ah ouais, mais ils sont. Ah oui. Allez, prenez un éclair. Oh, je suis revenu du monde des morts. Meurs. Et ça, c'est pareil, en 1.16, je sais pas c'était quoi ce bug. Théo, enfin, Tigrou, Just Drain, Just Dawn, l'a eu plusieurs fois. Quand tu meurs, tu es mort, en fait. Tu peux plus respawn. Et je sais pas pourquoi il y a eu ce bug-là. C'est pour ça que t'as mis la petite... c'est pas sur le Sky, c'est sur le survie. Il y a vraiment... Ça, parce que des fois, quand tu meurs, t'apparaissais ici, dans le vide. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, j'apparaissais tout le temps. Du moment où tu l'avais mis, ouais, j'apparaissais tout le temps. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre. Faut pas le chercher, c'est Minecraft, des fois. Ouais. Minecraft, voilà. Ça marche pas. Ah non, t'as pas les permes. Par contre, moi, je peux. Non, c'est juste. J'appuie sur entrée ou pas?
Non. Attention, attention, juste pour le fun. Non. Et laquelle, tout le monde? Ah, punaise. Oh, j'ai encore ban étoile, ça fait quoi? Ça fait un ban, mais nounours. Ouais. Ça me tombe à l'envers, quoi. Oh, regarde ça dans le chat, c'est beau quand même. J'ai envie d'essayer de me ban, ça fait quoi? Est-ce que tu peux me déban? Essaye. Tu verras, tu pourras pas. Je ne peux pas me déban. Ah, mais il reprend de la vie en plus? Bah oui. Mais il est trop bien ce mob. On peut l'adopter? Je crois pas, non. Oh, ça sert à rien. Meurs. Ah, tu sais aussi? Non, je peux s'en battre. Bon, allez, hop. C'est l'heure. Yo. Attends, au moins je monte l'île à sur YouTube. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je vais pas t'en mourir, moi c'est nul. Oh, je crois que c'est FPS. Oh non, vraiment. Allez, arrêtez de mettre des araignées autour de moi, j'ai chien là. Attends, il est où le partage? Voilà. C'est la belle vie quand même. Hein. Ça ressemble très fortement à une base vanilla en fait. Avec la tour à mob. Ah, oh, je suis... Bah oui, mais tu veux faire comment avec les mobs? Tu utilises la terre qui fait spawn la death. Je sais plus le nom. Par contre, ce qui sera le plus beau, c'est quand même la tombe de Nounours en plein milieu du spawn, quand même. Oh, je me déteste. Pète la sans foi. Je crois que tu peux même pas la péter, parce qu'en plus, c'est le spawn. Je peux même pas l'enlever. Ah oui, il y a un desktop. Ah ouais! La redstone noire, 176 morts. Eh bah, dis donc. Oui, c'est moi qui m'étais amusé à faire un desktop. C'est marrant. Ah oui, mais tout ça, je pourrais les adapter pour le 1.12. Merci. Le desktop, nickel. Normalement, t'avais le ESTOP, t'avais quoi d'autre? Comme des joueurs avec FTB. Ah ouais, bah il a bugué le ESTOP, tu vois. Ouais. Parce que il y a personne qui a un crash. C'est bizarre. Non, mais en fait, le ESTOP, il existe pas normalement. Comment dire? Non, en fait, slash top que t'as essayé, vu qu'il y a World Edit, c'est un truc qui est censé te TP au-dessus des blocs. Ok. Ouais. C'est chiant. Après, il y avait quoi comme commande? Il y a 40 pages. Ouais. Ah, oh, tu t'es amusé, toi. Ah, le help, c'est celui de base avec tous les mods et tout. Ah, bah oui. Non. Moi, du coup, t'es une new que moi. Je peux je crash le serveur, si je peux, je vous dis tout de suite, là. Bah, t'inquiète, je peux le faire crash, moi, le serveur. Hein. Oh putain, je me balance une autre. Putain. Stop. À 19h45, la fin. La fin. Pensez à ça. Comment ça fonctionne, Chris? Comment la nuit fonctionne, est-ce que c'est bon? Je sais pas comment elle fonctionne. Je crois la nuque de quoi? De quel mode? Sur Alpha Going. Alors là, je pourrais pas te dire. J'ai des trucs, mais on m'a gift des trucs là, non? Non, pourquoi? Non, moi oui. Moi je gift des trucs aux germes. Quoi ça? Ah mince, il m'a son image. Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est moi? Non, je suis. Oh, quel enfoiré creep, je déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? Oh, c'est l'autre enfoiré là qui me bouge dans tous les sens. Pourquoi il fait quoi? T'inquiète. C'est l'autre enfoiré. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos? Il utilise un truc pour. Il y a l'autre camp que je tue là. Est-ce qu'il y a des trucs pour bouger les autres? Une jolie grenade, c'est une disruption. Ah, en fait, ça te tue un peu partout. Ah oui.
Et d'ailleurs, dans la nouvelle version du mode pack, eh ben, vous allez aimer. Je te déteste. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est Tico, c'est ça. Trois minutes avant fermeture. J'ai été éjecté par staff pour raison, je ne sais pas. Ah, ça, c'est Tigou, ça, j'en suis sûr. C'est ça que je pense. Je suis sûr et certain que c'est Tigou. Y'a que lui pour faire des trucs comme ça. Je t'aime, Tigou, je t'aime. Y'a pas des épées qui peuvent tuer les gens en créatif? Pas mort sinon. La seule épée, c'est le slash kill. Ah mince. Alors, on va essayer. Non, non. Slash kill. Je suis en créatif, je suis en survie, je suis un peu. Ça marche pas. Ah non, ça m'étonne pas. Créatif. Ah, c'est pas mon retour créatif, s'il te plaît. Non. J'ai nuke dans les mains. Bah, j'ai trouvé une grenade qui peut exploser le spawn. Ah, oh, ça m'étonne pas. Ah, oh, merci. C'est marrant parce que moi, en fait, là, tout ce que vous faites, il suffira d'une commande. Et tout est restauré à, comme avant. Si je veux voir une belle explosion, je vais t'en faire une belle explosion. C'est ce que je veux savoir, par contre. Ah, un peu. Comment on fait sauter cette nuque là, Chris? Comment ça fonctionne? Il reste une minute pour réussir à la faire péter. Attends! Ah, y'a pas d'attente. Tout le bras. Eh, c'est qu'on voit pas l'anglais, moi je suis nul en anglais. Comment ça fonctionne? Flint and steel. Ok. Clic droit. Bam. Adieu! Adieu. Adieu. Au revoir. Ah, il y a une lettre TNT en obsidienne, je peux pas. On peut pas. Ça se peut que je change dans tous les sens, c'est ma faute. Attention, il est 44. Attention, il est bientôt 45. Attends. Je vais t'essayer que je prends dans 10 secondes. Alors, moi, je m'appelle pas John, donc John attend pas. C'est qui, John? Attends-tu, moi, pas, je vais tester que je pense sur les champs survie, l'enfant même mon survie. Il est 45. Attends, mais vous, moi, qu'est-ce qui me met mon manier de marbre? Va chier. Et c'est là que moi je vous dis adieu. Non. Oh non. Mon magnète de marde me voit chier. Adieu tout le monde. Ah non. Je l'avais bloqué. Ah jure. J'ai l'air con quand même. Hein. Ouais, j'avais bloqué le slash close. Regarde l'état de ma base à cause de toi. M'en fous parce qu'il y a le slash stop. Peux-tu juste attendre le temps que la bombe explose? Juste sur la map, voir que ça va donner quoi? Non. Je suis curieux. Oh la vache, l'énorme trou que j'ai fait! Oh! Mais même Discord ne veut pas que j'éteigne le serveur quand même. Ah, c'est à cause de mes deux nios que j'ai fait exploser en même temps. C'est peut-être ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Trois nios. Voilà! Comme ça qu'on fait. Ah, mais non, non mais non, j'ai éteint aussi l'autre! Ouais, est-ce qu'il y a les trois serveurs? Ouais. C'est con. Super, ça. Super, tu m'as fait crash mon jeu. Ah, de toute façon, tu vas le fermer parce que le mode pack ne fonctionnera plus. Oh. C'est pas c'est vrai. Et voilà. C'est la fin. Plus, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Moi, j'aime juste Igo. C'est bien. Il est beau. D'accord. Mais il est parti là. Il n'entend pas ce que tu dis. Mais non. D'accord. Ah non, il est parti quand même, je le tue.
me frapper. Et voilà, c'est ainsi que s'annonce la fin. La fin de cette version. Ah, ça fait quelque chose, hein, c'est normal. Hein. Mais dites-vous, il reviendra. Dommage que tu es sur des versions modées, parce que j'ai un serveur que je kiffe bien, mais eux, ils sont plus sur de la survie. Et en plus, ils codent et tout, et c'est dommage que... Ah, le modé, c'est un autre monde. Hein. Bah, c'est ça le truc. Sauf que, mais eux, ils sont plus sur de la survie, mais tu sais, ils font des codes et tout, et ils rajoutent des nouveaux trucs et tout. Oui, ils utilisent du script. Ils sont venir. Je sais pas. Oh, ça doit être ça. Non, mais... Sinon, vous connaissez Patrick Sénégal voilà. Ou pas, finalement? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous connaissez Patrick Sénégal ou pas, finalement? Bah non. Non, on le sait même pas qui c'est. Genre, ça doit être, tu sais, l'alcoolo du Québec. Non, du bar à côté. Je sais pas qui c'est. Jean-Marie Picard du Québec, tu sais. Je sais pas, voilà. C'est triste, hein. C'est... J'ai la petite larme, là. Comme quand j'allais dire quelque chose, mais je me suis rappelé qu'il y a le live. Et j'avais pas envie de spoil. Non, mais c'est un truc de spoil dans Naruto. Alors là... Du spoil de Naruto, ouais. Tu vas te faire des ennemis, mon petit gars. Ouais, c'est ça. Naruto, il est mort ? Ouais. Moi, j'aime pas les animes, j'aime pas les mangas, faut que ça me dérange pas. Moi, personnellement, je m'en fous, donc... J'aime pas les animes, on va ban neuf tout de suite. Voilà. Est-ce que je dois me ban, alors ? Quoi ? Oui, Auto, toi, ban. Non, il y en a quelques-uns que j'aime, quand même. Faut pas abuser. Moi, il m'aime. T'aimes lesquels ? Moi. On va te juger. Ok, alors j'aime bien. Et aussi. Et il y a ça. On va te juger de. C'est pour ça que je dis rien. Je lançais un petit teaser, je déteste Naruto. En vrai, pourquoi pas? Donc moi je dis. Attends, je vais allumer. Attends, je vais voir ma caméra comment elle est. Attends, ne te font pas le pilote photo. Yes. Attends, je regarde. Si je te branche, ça va peut-être aller mieux. Ah, la lecture est déjà ouverte. Si je fais ça, oh putain, ça marche. Psycho, j'ai pas envie de t'insulter. Je suis dessus là. Pourquoi ? Hop. Aucun, allumer la cam. Mais franchement. Ceux qui regardent pas d'animé et qui traitent les animés de... Non, putain, c'est en... Oh, bah. Je suis dégoûté. Je déteste les animés, c'est dégueulasse comme animé. Par contre, très belle lampe Ikea derrière toi. Hein. Genre, c'est le seul truc qui m'intéressait, tu sais. Tu te vois celui-là ? Attends. Je vais essayer de pas montrer ma gueule. Merde, trop tard. Yes. Tu peux voir ton nez ? Quoi ? Mon nez ? Il est bizarre. Tu peux voir ton nez ? Oui. Merde. Je crois qu'il a des problèmes psychologiques là parce que ton nez. Est-ce que je peux voir ton gros orteil droit ? Ou ton nez auriculaire gauche ? Tu vois mon setup ? Ouais, il y a. Si t'es pas content. Trois écrans quoi. Trois écrans et un tournevis. Merde. Non, deux tournevis. Ah, attention. Deux PC. Ouais, il y a un troisième là. Qui marche pas. Il y a un quatrième. Lui, il marche. C'est lui où j'ai un serveur. Lui, c'est un serveur de test. Lui, c'est mon NAS. Et lui qui fait office de support là-bas. Par contre, j'aime bien ce que tu avais par terre là, la Dragon. Mais il doit faire 800 degrés chez toi. 33, ouais. Business. Tu m'étonnes avec autant de trucs qui tournent. Ah mais j'en ai un. Alors attends, hop. Après je peux te montrer. Alors fais gaffe parce que t'as ton vibro dans l'armoire là. Qu'est-ce que tu parles, lui ? c'est quoi mon vibro ? Je sais pas, c'était juste pour te faire chier. Et là tu sais genre vraiment il aurait réagi premier degré. Merde où ça ? Merde, je l'ai pas caché.
Ah, oh, finesse. Ça me tue. Ouais, voilà. La belle vue dehors. Waouh. C'est un arbre. Ouais. C'est, hey, c'est pas mal, hein, les pixels et tout. Ouais, t'as vu, c'est pas mal. Après, trois écrans, on se met bien. Hein. Ouais, moi j'en ai que deux. Et c'est très bien aussi, deux. C'est suffisant. Après, moi je dis. Moi j'en ai deux et j'en ai qu'un qui marche. Ah. En fait, moi j'ai trois téléphones portables, puis deux genres portables. J'en ai un là et un là. En fait, t'es un magasin. Qu'est-ce que tu fais? En fait. C'est ça que c'est ça. Le gars, c'est un magasin. Mais c'est le revendeur Micromania. Ou alors, je sais pas. Tu sais, il y en a, ils deal des trucs pas bien. Et lui, il deal des ordinateurs. Eh, c'est 80€ le gramme de processeur. Non, mais écoute, je travaille là-dedans, j'en profite. Hein. Bah oui. Tout ce qui part à la casse, et je profite pour mes serveurs, tu vois. Bah, c'est ça, faut profiter de ça. Hein. J'en profite pour mes serveurs. Ouais, faut bien. Sinon, vous voulez faire quelque chose ou... Bah moi, je pense que je vais aller manger. Non, t'inquiète. T'as pas besoin. Hein. Non, il est juste 7h. Il est juste 7h. Nous, il est juste 20h. Ah, c'est vrai, j'ai pas réalisé. Mais dans ma tête, il sort plutôt, mais je sais pas. Voilà, voilà. Bon, je vais couper le live parce qu'après, ça va faire un live de 4 heures, alors qu'à la fin, on parle plus du tout de la conférence. Mais ouais. Je vais couper le live là. Bonne soirée à ceux qui sont sur le live. À demain ou pas, en fait. Peut-être que je streamerai demain. On verra. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, bisous. Genre bisous. Grazie, grazie, grazie.